Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, opening ravitaillement. Mais aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Issam. L'auberge gardien, alors il fait. Ah, l'auberge gardien, Donc Salut tout le monde, c'est. Attends, laisse-moi parler un peu. Vas-y, présente-toi. Alors salut tout le monde, c'est l'auberge gardien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tony Gaming. Donc salut Tony, j'espère que tu vas bien. Ouais mais pas. Par contre c'est ma chaîne YouTube, hein, c'est ma chaîne YouTube à moi en fait. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Bon, alors aujourd'hui, eh ben j'en sais rien. Non, sinon, plus sérieusement, bah je vais ouvrir de l'argage de ravitaillement parce que bah Issam, si vous connaissez, c'est l'auberge gardien, donc c'est l'un des plus gros, bah je pense que le ou l'un des plus voilà. De tous les temps. Sans me vanter, bien sûr. Non, je pense que c'est le plus gros lobbyman de France, c'est la référence du lobby. Si vous voulez un lobby, que ce soit sur n'importe quel jeu, après c'est sur la plateforme PlayStation, hein, bah c'est la référence quoi, il a une page Facebook à 17 000 likes, non, je sais plus combien, combien de likes. 15 170 likes, au pire je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez un lobby ou n'importe quoi, c'est bah, c'est la référence quoi, c'est lui qu'on va voir, c'est l'auberge gardien. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, il m'a fait un don, il m'a donné 10 euros de PSN. Je pense tout que je vais... Ça, car il a un niveau excellent. Voilà, voilà. Je n'ai jamais vu ça dans Call of Duty. Faire des parties à plus de 40, 50 kills d'élimination et pour presque 0 mort, ça m'a vraiment choqué et tu mérites. Franchement, bon. Tu mérites, ça vient du fond du cœur. Merci, merci, merci. Du coup, il m'a donné 10€ PSN, du coup c'est sympa. Puis il m'a aussi passé le saison pass, alors comme ça tout le monde est content. C'est parfait. Il m'a passé un saison pass et 10€ PSN, donc il m'a passé 60 balles en tout. Donc c'est parfait. Allez, on va tout de suite acheter des points code. Donc on va en acheter pour 10€. Vous avez quitté l'application. Par contre, tu vas faire des ravitaillements rares ou standard? Bah non, c'est un ravitaillement rare. Parce que, ouais, on est obligé. Alors, commander et payer. Allez. Par contre, retour à l'application. Votre achat est terminé. Alors, partie publique, marché noir. Ah, 1100 points. Ça fait plaisir. Donc voilà, on va ouvrir des ravitaillements rares. Donc par contre, ce sera sûrement le dernier opening que vous aurez, tout simplement parce que c'est maintenant je joue que des rares et 30 clés de crypta chez assez long à ouvrir, donc à obtenir. Du coup, je pense plus de, j'économise plus mes clés de crypta, je les ouvre direct. Ou peut-être qu'à un moment, si j'achète des points code ou quoi, et ben là ouais, à ce moment-là ouais, je ferai des tuyaux de vidéos comme je fais là. Bref, t'as ouvert tes 10 toi déjà? J'ai déjà ouvert une boîte, j'attends d'ouvrir la deuxième. Attends, vite fait, je vais échanger les doublons, comme ça on pourra en ouvrir. Je pourrais en ouvrir une de plus. Hop, bah vas-y, voilà, attends, j'en ouvre une. Ah ouais, moi aussi, je vais détruire les doublons, j'en ai deux. Alors, rare, épique, légendaire. Parfait! Oh, c'est bon, quoi, parfait! Parfait! Bon, vas-y, vous en une et tu me dis t'as quoi? Allez, c'est parti. 30 points COD, putain ça fait mal quand même, 200 points. Ah ça pique. Alors j'ai cadeau de Noël, donc une carte de visite, point brandy, mouvement, uprider, se vanter et hallucination comme étage pour la dingo de la merde. Moi j'ai eu un mouvement légendaire, je voulais voir vite fait c'est quoi. Parce que les mouvements je kiffe ça en fait. Bah les mouvements j'aurais plus préféré pour ruine, mais bon, bien sûr. Quand je change de perso, on me donne toujours ce qu'il faut pas. César, ouais. Ouvre toi. Je sais pas ce qu'il a dit. Bref, on va en ouvrir un. Pour un code. Allez, dis-moi. Ok, verde, de la merde. Transgression. Sur le dracon. Et il a l'air déglingué sa mère par contre, celui-là, votre camouflage. J'ai eu pique... Non, infrarouge sur l'XR2, je sais même pas c'est quoi infrarouge. Bon, on ira check tout ça enfin, hein, à la fin de la... de l'opening. Hop, on va en rouvrir un. C'est parti, on ouvre la troisième boîte. Alors en troisième boîte, on a camouflage pour la KM44 dans la jungle, ainsi que légendaire
Spitfire, donc variante pour l'HV 4 ans pour chargeur grand 4, ainsi que le frelon autocollant. Pas terrible. Frelon autocollant, c'est une abeille. Merde, l'abruti, j'ai pris mes 30 TikTok comme un con. Le con. T'as pris quoi? Balle blindée. J'ai le camouflage lumière. Et ciel pour spectre. Ah bah attendez, du coup. Le spectre. J'ai ciel. Ah j'en ai deux, je l'ai eu deux fois. Oh ça met un petit 2 du coup à côté stylé. Allez ensuite, on ouvre la quatrième boîte, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, épique, dévastation, camouflage par la dingo. Flingue, mouvement, outrider, c'est vanté. Et discrétion, camouflage pour la M8A7. Poussière, je l'ai eu. Il pue la merde, discrétion aussi, je viens d'avoir, il est moche. Au fait, Tony. Quoi? Essaye de laisser 300 CP là, point COD, parce qu'en vrai si tu veux débloquer plusieurs groupes de places d'armes. Ah ouais, ah ouais, pas bête. Parce qu'en fait ça sert à rien si je l'utilise, il va m'en rester que 100. Ouais bah c'est pas grave, au pire t'en reprendras une autre fois, mais utilise-les pour tes groupes de classes d'armes, si tu veux faire plusieurs classes, tu sais. Bah, je sais pas vraiment du coup si... Moi perso je l'ai pris, c'est bien tu vois dans un groupe de classe par exemple tu mets un groupe assaut, un groupe mitraillette, un groupe fusil à pompe. Ouais mais t'es obligé de le choisir avant ta partie je crois le groupe de classe, c'est comme sur BO2 non? Ça je sais plus. Bon attends de changer. Ouais je crois que t'es obligé de le choisir. Hein. Mais au moins ça t'évite de créer à chaque fois tes classes quoi, au moins comme ça ils seront tous toutes faites. Oh je viens de débloquer un truc de ouf mon gars. De los muertos. C'est un... Bah tu vois la fête des morts au Mexique, tu vois genre les têtes de mort, tu vois pas ce que je veux dire. Ouais. Et bah en gros j'ai débloqué sur Outrider, et bah sa tête, et bah tu sais il a les genre pattes en tête de mort. Comme au Mexique quoi. Alors j'ai débloqué, salut, mouvement, batterie, bonne partie. Infiltration, carte de visite, kit collector 1.1 sur 6, donc légendaire. Et Northwoods, variante pour la M8A7, poignée ergo. Les endroits, pareil. Il te reste combien toi de points COD? Il m'en reste 300. Ouais, moi aussi il m'en reste que 300 du coup. Gros pour une boîte. Ouais, je sais pas moi du coup si j'ouvre la... Putain, il déglingue sa mère. Je sais pas si j'ouvre une boîte ou si... Bah il te reste 300 piles donc au final il te restera 100 qui te serviront à rien donc vaut mieux prendre un groupe de classe je pense non? Ouais je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'il va te rester 100, bah après si tu veux les 100 autres tu les laisses jusqu'à ce que t'en rachètes d'autres hein, mais bon. Non mais je pense pas en racheter moi tu sais j'aime pas trop dépenser de l'oseille là-dedans quand même. Là c'est parce que c'est toi qui me les a offert hein, sinon jamais j'aurais, je pense pas que j'aurais acheté ça. Hein. Vas-y, bah prends le groupe de classe, hein, ça va être plus simple. Ah, ou attends. Non, peut-être pas. Je vais regarder vite fait en zombie, on peut acheter du liquide divinium. Mais je sais pas c'est combien. Attendez. Ah ouais, en zombie, je suis jamais de voir. Alors. Ah, ça va, c'est 200, ouais, 200, les 3. Sérieux? Ouais, 200 les 3 liquides divinium, 400 les 6 et 600 les 9. J'avais jamais regardé, tu vois. Alors, attends, c'est usine du docteur Monty, c'est ça, hein? Ouais, tu vas dedans et tu fais triangle, échanger du liquide divinium. Bah du coup, je pense que je vais peut-être prendre ça, je sais pas. 200 les 3, ouais. Parce que moi, j'en ai déjà 4 du type divinium. Au pire, les liquides, tu les débloques au fur et à mesure, quand tu joues des parties en janvier, donc c'est pas vraiment... Ouais. Non, ouais, c'est pour ceux... Mais toi, tu prends les débloques là, soit tu refais encore une boîte de ravitaillement. Ouais, bah non, au pire, je pense que je vais refaire une boîte de ravitaillement, puis il m'en restera 100 en robe, hein. Tant pis. Hein. Mmh. Hop, bon, du coup, on en ouvre une dernière. Hop, c'est bon. Et là... Sur la pharo... Ah, quoi? Ça va. Ouais, gâchette ouais. Rapide. Ouais.
Bon bah du coup je pense qu'on va se laisser là, hein. Moi j'ai tout ouvert pour ma part. Ouais, moi je vais faire ma petite dernière boîte. Et stylé. C'est la dernière. Chenille. Chenille. Merde. Lumière, camouflage, c'est 6, légendaire. Deux trucs légendaires et un rare. Ouais, chenille, ouais, je sais pas c'est quoi, je l'ai déjà vu plein de fois. Bon bah du coup je pense qu'on va se laisser là, hein. On a fini notre opening. Et bah c'est bon pour moi. Ouais bah pour ma part aussi c'est bon. N'oubliez pas d'aller laisser un petit like sur ma page Facebook. Ouais, le lien de sa page Facebook sera dans la description. Bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime les lobbies, mais si vous aimez des lobbies, vous êtes encore sur PS3, vous avez la flemme de monter vos niveaux, que ce soit sur n'importe quel Call of ou pas, c'est Lobby Ange Gardien qu'il faut aller voir. Bah je suis sûr il y a des gars qui le connaissent déjà, hein. c'est obligatoire, l'occasion. Je connais beaucoup. Je connais tout le monde qui le connaît, à chaque fois que je dis Lobby Ange Gardien, on le connaît. Bref, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.